2016. C'est une joie et un bonheur d'être dans ta maison avec mes frères et sœurs. Je te demande pardon, Père, car je t'ai attristé. Nous t'avons tous attristé. Pardonne-nous, Père. Et nous nous réclamons du sang de l'agneau, Jésus-Christ, notre Sauveur. Et nous réclamons l'aide de ton Esprit Saint afin qu'il puisse nous remplir de toi et qu'il puisse intercéder par des soupirs inexprimables. Prends le contrôle de tout mon corps, mon cœur, mon âme et mon esprit. Vide-moi de moi-même
et remplis-moi de toi afin que tu puisses m'utiliser et parler à ton peuple et à ceux qui ne te connaissent pas encore. Oint leur cœur aussi, leurs oreilles, afin qu'ils puissent entendre. Car Umwami Yesu Naze. Amen. Amen. Kwibona mu nzu y'Imana mu bihe bidasanzwe tumazemo igihe hari benshi insengero zafunzwe ariko twebwe tukaba dufite amahirwe yo kuba mu nzu y'Imana icyubahiro cy'Imana gihabwa icyubahiro mpagurukijwe rero no kwakira abashyitsi ngira ngo murabizi ko ari ubutabazi kandi ubutabazi bunasoza amavuna tumaze iminsi mbese ni umunezero mwinshi cyane ko mwabonye umusaruro mwinshi ijuru ryaduhaye abana b'Imana biyeguriye Imana Imana yacu ihabwa icyubahiro mbese hari abashyitsi n'ubundi turi kumwe kuri isabato ndashaka kureba abatari abadivantiste munsi wa karindwi bashimishijwe no guterana natwe mbese barahari batari abadivantiste niba bahari babigaragaje ikiganza kiborohe hejuru amen barahari rwose umva barahari pe nimufashe tubakire twabakiriye imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu amen kandi muzagaruke turi kumwe n'abaturutse mu bihande bitandukanye turi kumwe n'amatorero yo hirya no hino batashoboye kubona uko bafungurirwa nabo turi kumwe kandi n'abantu batari abo muri iyi ntara ya Gitisi mbese hari abantu bo batari muri iyi ntara ya Gitisi badusuye bashimishwe no kuza ngo dusangire ibyera by'Uwiteka barahari bazamure cyane rwose Imana ibahe umugisha nabo barahari mumfashe tubakire turabakiriye Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu amen turanezerewe cyane rero muri amasaha turi kumwe n'igihande cya Gitisi aricyo gifite mu nshingano ubutabazi bw'uyu munsi turi kumwe n'abashinzwe ibyuma kugira ngo tushobore kumvikana turi kumwe kandi n'abadiakoni n'abadiakonikazi biteguye kwakira ibyera by'Uwiteka nabo mumfashe tubakire hano imbere rero nk'uko muri kubyumva njye turi kuvugana nitwa Mukeshimana Genevieve turi kumwe kandi na Tabaro uri budufashe mu isomo no gusenga turi kumwe kandi na Nyirantagorama Amina uri budufashe mu kwakira ibyera by'Uwiteka akano gitugezaho gahunda y'ubutabazi bushize turi kumwe kandi n'umubwiza wacu dukunda ndatekereza ko umuntu washoboye gutega amatwi ntekereza ntashidikanya ko hari aho yavuye kandi hari naho arimo agenda agera ndese ndabeshya mpamya ntatishidikanya ko umuntu wese wageze hano akumva ubutumwa Imana yatwoherereje hari icyo bwakoze ku mutima turi kumwe na se n'umubwiriza wacu twakunze kandi twakunze cyane turi kumwe kandi na Dani uri budufashe mu isengesho heruka niba mubyemera reka tubasabe mutubwire uko biri bugende murakoze cyane ngira ngo gahunda uko zateguwe zigiye gukurikirana reka bafite mu nshingano indirimbo badufashe gahunda zose zirakurikirana nk'uko bisanzwe igihande cya Gitisi kirakarabye umubwiriza n'indirimbo imwe murakoze twigishije dutangire gahunda yacu n'indirimbo ya cyera Yesu agiye gusaba
agiye kuza azazana icyubahiro gishe Yesu agiye kuza Bibiliya zacu dusoma isomo riboneka mu byahishuye Yohana gice cya mbere murongo wa karindwi byahishuye Yohana gice cya mbere murongo wa karindwi handitswe ngo dore arazana ibicu kandi amaso yose azamureba ndetse n'abamucumise nabo bazamureba kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera nanone amen ngiye gupfukama abandi murakomeza muhagarare maze dusenga Imana Datoraho mana yacu turagushimye himbazwe Yesu yamanitswe ku musaraba ikaruvari aradupfira abamwemeye bose bakamwizera abone ubugingo buhoraho warakoze uhimbazwe vuba cyane ugiye kugaruka ndakwinginze ngo buri wese ari ahangaha uzade gutumbagira tugusanganire weze imitima yacu fasha umubwiriza fasha buri muntu wese uri ahangaha Kristo yererezwe mu ntekerezo zacu mu izina rya Yesu nziza kandi bihe byose mana ni nziza niyo kamere yayo tugeze rero mu mwanya mwiza wo kumva raporo y'ubutabazi buba bwatambutse
ariko ni ya Paul igihande rero cy'Anyarugenge cyaturirimbiye indirimbo enye batubwira n'amasomo yo muri Bibiliya ubufasha bwabonetse uwo munsi bwari 331 n'amafaranga 900 ngiro raporo yo mu kwezi kwa munani naho ubutaha twumva raporo y'uyu munsi Imana twese iduhane umugisha kansabe abadiakoni batambuka turareba mu byigisho by'ishuri ryo kwisabato turareba ku ipaje ya 86 gahunda yo kugarura icyacumi no gutura amaturo kugeza ibyiringiro muri Hanoi nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa nkuko tubisanga mu Befeso gice cya 5 umurongo wa mbere mu mwaka wa 2018 uwitwa Jani Mudivantisi wo muri Afrika y'Epfo yoherejwe ahitwa Hanoi umurwa mukuru wa Vietnam agenda yitwaje miliyoni 2 z'amadolari kandi agenda afite intego yo kubaka ikigo cya mbere cy'abadivantiste giteza impinduka nziza muri icyo gihugu kugura ikibanza muri Hanoi byagombaga kumusaba amadolari arenga miliyoni 3,400,000 nyamara mu buryo Jana tari yiteze hari umuntu witanze maze amugurisha ikibanza kinini cyane cyarimo n'inyubako ifite amagorofa 7 ku madorari miliyoni 1,800,000 gusa ibyakurikiyeho ni amateka kuva kuwa 22 Gicurasi 2018 icyo kigo cyatangiye gukora Jani aravuga ati Imana yigaragaje mu buryo bw'igitangaza ntari narigeze mbona Imana yaduhaye ibirenze ibyo twasabye mu baturage miliyoni 9 Hanoi ifite umubare muto w'abadivantisi w'umunsi wa 7 icyo kigo giteza impinduka nziza muri uwo mujyi kuko gitanga amahirwe yo kurehereza abantu benshi kuri Kristo icyo kigo gifite isomero kandi gitanga n'amasomo y'icyongereza mu rwego rwo guteza imbere uburezi bw'abana kandi kigafasha abantu benshi gusabana hagati yabo muri icyo kigo bigisha abantu uburyo bwo gutegura ifunguro rigizwe n'indyo yuzuye kandi hari n'itsinda ry'abantu bakora imyitozo ngororamubiri buri ku cyumweru mu gitondo urusengero rw'abadivantisi umunsi wa 7 muri Hanoi narwo rukorera muri iyo nyubako ibikorwa bikorerwa muri icyo kigo byatumye abayobozi b'inzego bwite za leta bagirira icyizere itorero ry'abadivantisi umunsi wa 7 uwitwa Tuneri umuyobozi w'icyo kigo aravuga ati abagize komite nyobozi bagize ubushake bwo kwifatanya natwe kandi ubu turimo kwigisha icyongereza abantu 29 mu bagize iyo komite iyo tubona abantu biga amasomo y'icyongereza ndetse bakitabira n'ibikorwa by'itorero tumenya ko Imana ariyo yibereye ku murimo wayo Imana ibasha gukora ibitangaza niyo mpamvu dutegereje kubona ibyo iduteganyirije iki gitekerezo ni urugendo rwiza rugaragaza icyo amaturo adasanzwe ashobora gukora ari byo bishoboza inteko nkuru rusange gushyira mu bikorwa imishinga yihutirwa igihe ibonetse icyo duhamagarirwa umugabane w'amaturo ndetse n'impano dutanga uyu munsi uzahita woherezwa mu kigega cy'amaturo adasanzwe kugira ngo uzifashishwe mu gukemura ibibazo byihutirwa
ushobora no gutanga ituro ry'ubushake ry'inyongera ku maturo yawe yiswe isezerano. Kwibahasha yawe ukandikaho ko ari ituro ridasanzwe Imana mbere ya byose. Mureke duciye bugufi dusenga Imana. Turagushimye data mwiza, gushimiye kudukunda cyane bihebuje icyubahiro n'ikibi cyawe. Muri uyu munsi wera w'isabato tugiye kurambura ibitanga amaturo. Reka mbere ya byose ubanze wakira imitima yacu ibashe kuguhimbaza kandi kwegurirwe nk'uko ubishaka, kugira ngo ubwo ugiye kugaruka tuzishimire kubana nawe. Komeza utubane kandi duhire ibyo ushaka n'ibyo ukunda waduteguriye muri uyu munsi wera w'isabato, biduhane n'abakwifuza bose kubwa Yesu umwami wacu. Thank you.
Zasigiza, zasigiza, zasigiza,
sinziza nzashimuwa viye muze twese tumushime kugamara sato zita Kuyobore mu
ukora byose ugagiye kuza kujyana itorero nawazasange tukwite imenyereze imenyereze kugendana n'uwo nguwo akuyobore mu byo ukora byose ugagiye kuza kujyana itorero Kujani torero na wazasange kumite imenyereze imenyereze kujenda na nuwa kuo akuyobore mukyukora byose ukagiye kuza kujani torero na wazasange kumite
Donc moi ramoutse. Benedata bashiki bangye. Isabato nziza. La thématique de cette campagne est Murusange insanyamatsiko y'ibyigisho Umwami Yesu Nazi. Ibyo simbise mura. Mumurimo wa databucha. Alors ça ne change pas, mais pour ceux qui n'étaient pas là, ntago bihinduka ariko mu tutabanye batari bahari. La thématique de toutes mes prédications muri rusange insanganyamatsiko y'ibyigisho byanjye byose tournait autour du service. Byazengurukaga ku murimo. Alors je répète, et pour ceux qui n'étaient pas reka nsubiriremo abo tutabanye batari bahari. Alors vous allez l'entendre. Nibura mugiye kugira umwanya wo kubyumva. Alors nous voilons ici les trois membres de la divinité. Nuko turabona hano butatu buziranenge. Dieu, Jésus-Christ, Mana, Mwana, et le Saint-Esprit. Ndetse na Mwuka Wera. Et ils sont tous au service de l'humanité. Kandi bose bari bari ku murimo bakorera inyoko muntu. Il y a en dessous les anges. Unsi twarura abana ba malaika. Qui sont eux aussi au service. Nabo bari ku murimo. Et il y a l'église, hari n'itorero, nous, twebwe baraha, la communauté, rusange twese, nous sommes tous au service de l'humanité, twese turi mu murimo w'inyokomuntu, pour le plan de sauvetage divin, kugira ngo hasozwe umurimo w'inama y'agakiza. Amen. 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 Et notre leitmotiv kandi twabonye ko ingingo atuyoboraga anti swingo. Je sais pas si la prononciation est bonne. Sinzi niba mbivuze neza. Anti swingo. Handi swingo. Amen. Notre seul credo doit être hamerya cyacu rigomba kutubarigomba kuba Biblia kandi Biblia Yonine. J'y suis enfin arrivé. Non, n'ayabishoboye. Et le texte de base de ce matin est Imunsi twasomye hamwe isomo ry'urufunguzo ritubwira ngo Apocalypse 1 verset 7. Dajicha cyambere ku murongo wa 7. Et je n'ai pas changé. Ntago nahindutse. Je veux voir je veux vous voir feuilleter vos Bibles. Est-ce que vous avez tous vos Bibles ce matin? Yego? Yego. Oui, bon. Ok. On va y aller. Le sujet de ce matin est tout œil le verra. Et vous voyez que ça correspond au chant qu'on m'a dédié, n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc ce matin, je vais parler d'un voyage dans l'espace qui ne se terminera pas par un désastre. Un voyage qui ne commencera pas seulement bien, mais qui se terminera aussi bien. Pourquoi? Parce que notre commandant va nous conduire à la maison. Amen. 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 Il vient nous chercher pour le voyage dans l'espace. Le plus fantastique que l'on puisse imaginer. Au-delà des planètes, Mercure, Jupiter et Saturne, au-delà de notre plus près voisin,
tutareba la lune a presque 400 000 kilomètres au loin. Kure cyane y'ukwezi nibura ibirometero 400 kure cyane. Au-delà du soleil à 150 millions de kilomètres de la Terre. Kure y'izuba riri nibura mu birometero 150 kure y'isi. Plus haut et toujours plus haut, au-delà de la nébuleuse et jusqu'au travers de l'espace ouvert, dans Orion, il nous amène à la maison. Il y a une chose certaine. Ce voyage dans l'espace ne va pas se terminer en désastre. Amen. Amen. Apocalypse 14:14 dit: on tourne les pages. Apocalypse 14:14 dit: je regardais. Et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée, était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Lorsque le livre d'Apocalypse décrit le retour de Christ, il le décrit arrivant avec une couronne sur sa tête. Il vient en tant que roi des rois, comme seigneur des seigneurs. Amen. Amen. La Bible ne dit pas que Jésus va revenir silencieusement. Secrètement. Il vient avec une couronne d'or sur sa tête. Il vient avec une faucille tranchante dans sa main. Pour moissonner la terre. La Bible illustre toujours Christ revenant en pouvoir et en gloire. Lorsqu'on regarde au livre de l'Apocalypse, il décrit toujours son retour avec majesté. Amen. Amen. Apocalypse 19:11. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici paru un cheval blanc. Celui que le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Amen. Amen. Quel Dieu. Apocalypse 19:14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin pur. Pourquoi la Bible illustre-t-elle Jésus revenant sur un cheval blanc? Que représente ce symbole? Un cheval blanc est un symbole de pureté, de victoire et de triomphe. Je vais m'arrêter car je viens de commencer et il y a déjà des gens qui dorment. Et ils dorment devant moi. Ça me donne envie de dormir. Alors, secouez celui qui est à côté de vous, qui est en train de dormir. Ils doivent entendre. D'accord?
Turi kumwe? Alléluia. Merci. Murakoze cyane. Merci de m'aider. Murakoze kumfasha. Jésus donc arrive avec une couronne sur sa tête. Nuko rero Yesu aza yambaye ikamba ku mutwe we. Et monte sur un cheval blanc. Kandi yicaye ku ifarashi y'umweru. Il est illustré comme un général victorieux. Yesu amugaragaza nk'umujeneral wanesheje. Il est illustré comme venant pour combattre toutes les forces du mal. Amen. Atwerekan uje aje kurwanya imbaraga zose z'ikibi. Amen. Ah oui, ça mérite un amen fort pour le Seigneur. Mukwiye kuvuga amen. Ifite imbaraga. Amen. Amen. Merci, je suis pas toute seule. Murakoze ndi kumva ntari genyine. Christ. Yesu. Vient pour vaincre l'ennemi. Zabaje kunesha umwanzi. Il vient en tant que roi des rois. Azabaje nk'umwami w'abantu. Seigneur des seigneurs. Ndetse nk'umutware utwara abatware. Le livre de l'Apocalypse est très clair. Igitabo cy'ibyahishuwe kibivuga mu buryo bweruye. Jésus vient pour moissonner la terre. Yesu azabaje gusarura isi. Jésus vient comme menant les armées du ciel. Azabaje ayoboye ingabo zo mu ijuru. Il vient comme roi des rois. Ah, j'aime mon ami. Jésus revient victorieusement. Yes, j'aime mon ami. Je vous gamba. Triomphalement. Ah, j'aime mon tinze. Et glorieusement. Kani mutuba hiroche. Amen. Amen. Le livre de l'Apocalypse. Tu as dit toi, tu as échoué. N'enseigne pas un retour secret de Jésus. Na boti vuga ko Yesu azaza bitagaragara abantu bose. Apocalypse 11:15 dit: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Quand Jésus vient, la grande tragédie finira. Le péché et les pécheurs ne seront plus. Le retour de Jésus n'est pas quelque événement mystérieux. Il vient pour régner sur l'univers tout entier. Il vient pour être adoré et loué. Azabaje kugira ngo akundwe kandi ahimbazwe. Par les rachetés pour kandi abazamukunda n'abazabaracunguye by'iteka ryose. Et à jamais. Iteka ryose. Amen. Amen. Le plan de la fin des temps, mugambi w'iherezo ry'isi, est révélé dans sa parole. Bigaragazwa mu ijambo ry'Imana. Frères et sœurs, bavandimwe banje, sympathisants, cye ku ruhande gato, visiteurs. La Bible est très claire. Jésus décrit l'une des tromperies qui arrivera avant son retour de cette manière. Ce n'est pas le moment de dormir. C'est le moment d'écouter. Notre vie éternelle en dépend. Je l'ai dit tout au long de la semaine. Et même depuis 15 jours. C'est fou comme le temps passe vite. Luc 17:23. Écoutez bien. On vous dira. Il est ici. Arihano. Il est là. Arihariya. N'y allez pas. Muramenye nimuzaje. Ne courez pas après. Abo ngabo nimuzabakurikire. D'autres diront. Harabaza babwira bati. Le voici. Nguyu. Ou le voilà. Cyangwa nguriya. À Tokyo. Ari Tokyo. À Manille. Ari muri Manille. À Paris. Ari Paris. À Kigali. Yes, ari Kigali. Ou à Chitisi. Cyangwa arahanga higitisi. Oya oya, n'y allez pas. Oya oya, nimuzajeyo. Amen. Amen. Luc 17:24 dit. Car comme l'éclair resplendit et brille. D'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Christ.
Christo n'apparaîtra pas soudainement dans une ville ou comme un autre. Comme un faiseur de miracles. Comme je l'ai dit, dans les rues de Paris, de Kigali, de Nyanza, de JTC ou de Tchegera. Il ne marchera pas dans les grandes rues de ce monde. Il ne lèvera pas ses mains disant: je suis le Messie. Oh ya, yeah, oh ya. Yeah. Oh ya. Son retour, kugaruka kwe, conformément à la parole de Dieu, est comme un éclair qui brille et illumine le ciel. Christ descend depuis le haut. Christ il ne s'élèvera pas depuis le bas. Est-ce que vous avez bien compris ce que je viens de dire? Il descendra. Azamanuka. Il ne viendra pas de bas. C'est très important de comprendre ça. La venue de Christ, kuza kwa Christo, est avec gloire. Mais quelqu'un dit, est-il vraiment nécessaire de comprendre tout cela? Si j'aime seulement Jésus, n'est-ce pas suffisant? Regardons ce que dit la Bible. Acte 1, le verset 11. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Jésus, à ce moment-là, s'élève. La force de gravité ne peut pas le retenir. Il est plus haut et toujours plus haut. Tandis que les disciples fixent Jésus avec émerveillement. La Bible dit, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière. Ils l'ont vu partir. Ils le verront revenir. Amen. Amen. La Bible dit que le retour de Jésus sera un événement visible. Son ascension était visible. Et quand il descendra, ce sera visible. Amen. Amen. Le livre de l'Apocalypse dit, Apocalypse 1, verset 7, j'aime ce verset. Encore un autre. Il y a beaucoup de versets que j'affectionne, n'est-ce pas? Voici. Doré. Il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Combien de personnes verront Jésus quand il vient? Tous. La Bible vient de le dire. Tout œil qui le verra. Est-ce que Jésus vient secrètement de pour quelques justes seulement? Que dit la Bible? Si ce n'est pas écrit dans la Bible, je n'y crois pas. Mais si c'est écrit dans la Bible, j'y crois. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Nous sommes en train de nous faire un peu de temps.
car le Seigneur lui-même, 1 Thessaloniciens 4, 16, car le Seigneur lui-même a un signal d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Voilà de bonnes nouvelles. Il vient littéralement. Un Christ réel revient. Christ il vient de manière visible et tout œil le verra. Il vient de manière audible. Toute oreille l'entendra. Voilà de bonnes nouvelles. N'est-ce pas? C'est une bonne nouvelle. Amen. Amen. Avez-vous perdu un bien-aimé par la mort? Un petit bébé que vous avez déposé dans la tombe? Un fils ou une fille qui a été heurté par une voiture et tué? Un proche qui a été assassiné? Ce fut mon cas. Pour deux explications que je viens de dire. La mort de ma maman assassinée. Et la mort de mon fils qui s'est suicidé à l'âge de 23 ans. Je dis ça pour ceux qui n'étaient pas là. Dieu voit cette tombe. La Bible dit, le Seigneur lui-même descendra avec un cri. Et ce cri percera la tombe de chaque croyant. Il dit au son de l'archange avec la trompette de Dieu. La trompette de la victoire. La trompette du triomphe. La trompette de la conquête sur la mort. Amen. Amen. Alphonse. Lève-toi. Lucette. Oui. Lève-toi. Haguruka. Pierre. Petro. Oui. Lève-toi. Haguruka. Elisabeth. Lève-toi. Haguruka. Avec un nouveau corps ressuscité. Amen. Amen. Ces bien-aimés sortiront de la tombe et seront revêtus de gloire et d'immortalité pour rencontrer Christ dans les airs. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Amen, amen. Amen. Alors avec qui? Avec eux, les morts justes qui sont ressuscités, les morts justes qui dormaient dans les tombes, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ah, quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? J'ai envie d'y être. J'en ai marre de ce monde de souffrance. 1 Thessaloniciens 4, 17 continue. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Que vous remarquez l'intimité qui se dégage dans ces mots. Remarquez comment ces mots débordent d'amour.
Jésus vient-il vivre sur la terre à ce moment-là? Oh yeah! Oh yeah! Alors, Nuko, où le rencontrons-nous? Dans les airs, amen. Kirere, amen. Ah, ce matin, je ne suis pas toute seule. Je vois qu'il y en a qui suivent. La Bible dit dans Matthieu 24:26. Si donc, on vous dit, voici, Dore, il est dans le désert, n'y allez pas. La Bible dit que Satan va se faire passer pour le Christ en opérant des miracles. Alors supposons que quelqu'un vous dit, Jésus était à Kigali, allez-y. Il est un être éblouissant de lumière. Allez-y. Genda. Oya, oya. Oya. La Bible dit, n'y allez pas, ngo nimuza ajeyo. Parce que quand le Christ reviendra, kubera kujya Yesu abagarutse, il viendra traversant les cieux. Azaza atungutse mu kirere. Amen. Amen. La venue de Christ serait un événement glorieux. Kuza kwa Kristo kuzaba ari ikintu cyuzuye umunezero mwishi. Matthieu 24:27 dit, Matoma 24:27 ngatubwira ngo, comme l'éclair de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Le vrai retour de Christ se fera dans le ciel. Le Seigneur assurera un spectacle de lumière éblouissant dans le ciel. Il descendra du ciel avec des milliers d'anges. On ne dort pas. Au passage, seul le Christ donne la vie. Seul le Christ peut ressusciter les morts. Le vrai Christ vient. Pour ressusciter les morts. Le vrai Christ nous élèvera dans le ciel. Pour nous faire voyager au-delà de la lune, du soleil, des étoiles, en direction de la salle du trône de Dieu. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Matthieu 24:30. Alors, le signe de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. La venue de Christ sera comme l'éclair qui part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident. Il apparaît dans le ciel à toutes les tribus de la terre. Et Apocalypse 1:7 nous dit, tout œil le verra. Il y a seulement deux catégories quand il viendra. Les sauvés et les non sauvés. Les rachetés et les perdus. Voyez-vous, ce ne sont pas seulement les croyants qui le verront. Quand il va revenir, quand Jésus viendra la seconde fois, je le répète, tout œil le verra. Tout oreille l'entendra. Frères et sœurs, sympathisants, écoutez.
écoutez bien. Pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Seconde venue de Jésus. Il sera trop tard. Et elles verront le Fils de l'homme. Toutes ces femmes. La Bible dit. Elles verront. Toutes les tribus de la terre verront le Fils de l'homme gloire. Jésus vient où Mwami Yesu nase. Réellement, visiblement, tout le monde entendra et Jésus vient glorieusement. La venue de Jésus sera un événement inimaginable. La venue de Jésus est l'événement décisif dans l'histoire de l'humanité. Vous êtes toujours avec moi? Vous arrivez à suivre? Et pas trop faim? Nourrissez-vous de la parole? Oui. La parole de Dieu dit qu'on ne se nourrira pas seulement de pain. Mais la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. 1 Corinthiens 15, versets 51-53 dit. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la deuxième trompette. Amen. Merci pour ce amen. Ça continue. La trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptible. Et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Frères et sœurs, c'est un événement incroyable. C'est un événement formidable. Pouvez-vous imaginer quand Jésus viendra traversant les cieux, la terre entière est illuminée par la gloire de Dieu. Amen. Amen. De milliers d'anges se précipitent avec hâte vers les tombes tandis que sortent les croyants. Leur corps ne porte pas la malédiction du péché. Il n'y a plus de sourds, des membres affaiblis, des corps malades, des victimes du cancer ou des maladies du cœur. C'est terminé. Amen. 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 En tant que fidèles, nous regardons ce Jésus qui vient. C'est le plus magnifique des événements dans les cieux. Instantanément, nos corps mortels sujets aux maladies et à la mort reçoivent l'immortalité. Quel jour! La venue du Christ. Frères et sœurs, quel jour! Instantanément, nous sommes transformés. Instantanément,
yose. Une nouvelle vie fait vibrer. Nous resplendirons de santé, de joie, de gaieté et de bonheur. Franchement, votre amen, il est fait pour Jésus. Amen. Amen. Tout le monde doit être content. On dirait que vous êtes triste. Oh. Nous voyons des morts ressuscités. Nous voyons notre frère, notre soeur, notre fils, ou notre fille, notre mari, ou notre épouse sortir de la tombe avec des nouveaux corps immortel et glorieux. Amen. Les anges nous les présentent à nouveau. Nous les embrassons avec les larmes coulant sur nos joues. Nous nous élèverons ensemble. Essayez d'imaginer cette scène dans les bras de nos bien-aimés. Les familles réunies à nouveau. Oh. J'ai hâte de voir ça. C'est la plus grande scène des siècles. Nous voyons les bien-aimés sortir de la tombe. Et nous sommes en train de chanter. Tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables. Roi des nations, nous le voyons venir comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Nous nous exclamons en ce jour-là. Ça se trouve dans Ésaïe 25:9. Voici. C'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Voyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Amen. Amen. Nous l'avons entendu. Nous n'avons pas accepté les faux Christ. Nous n'avons pas accepté l'imitation de Satan qui s'est fait passer pour Christ. Voici notre Jésus qui vient. Amen. Amen. 2 Corinthiens 6:2. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Notre destinée éternelle est en train de se déterminer par les choix que nous faisons aujourd'hui. Je crois que nous sommes en train de vivre au bord de l'éternité. Nous vivons, frères et sœurs, les derniers jours avant la seconde venue de Jésus-Christ. Je crois que très bientôt, Jésus s'apprête à descendre du ciel. Amen. Amen. Que se passe-t-il quand Jésus revient? 1. Cataclysme sismique. C'est ce que nous voyons, n'est-ce pas? Il y aura des terribles cataclysmes sismiques. Les montagnes et les îles seront déplacées de leurs endroits et un énorme tremblement de terre secouera cette planète.
kilomètre. Yesu najya kuza imisozi zava hayo ndetse n'imigezi iva hayo kandi hazabaho gutigita cyane. Deux. Cya kabiri. Les morts en Christ ressusciteront. Abapfire muri Kristo bazazuka. Paul nous dit dans Thessaloniciens, les morts en Christ ressusciteront les premiers. Paul a tout dit dans Thessaloniki, yuko abapfire muri Kristo bazabanza kuzuka. Tous ceux qui dorment dans leur tombe entendront la trompette du Christ comme une voix et se lèveront pour la vie éternelle. Abazaba sinzere mu ituro byabo bazumva impanda ya Kristo n'ijwi rye bavuke bajya guhura na Kristo bazuke ubugingo buhoraho. Cyagatatu. Les justes qui vivent sont transformés. Abazaba kiri bazima nabo bazahindurwa. Dans Apocalypse 6 14-15. Mais auparavant, le quatrième point, c'est l'immortalité qui est accordée. Et le numéro 5, c'est les méchants qui vivent sont détruits. Donc dans Apocalypse 6:14-15, les méchants demandent aux rochers, aux montagnes de tomber sur eux. Quand Jésus reviendra, je le répète, il n'y aura pas de seconde chance, pas de seconde opportunité. Quand Jésus revient, les méchants qui vivent sont détruits. Tout le monde a compris? Yego. Je crois que tout le monde a faim. Prenez patience. Les justes accueillent le Christ, c'est le sixièmement. Septièmement, les justes vont au ciel. Mais certaines personnes disent, vous n'auriez pas raté ce texte dans la Bible où il est dit que Jésus viendra comme un voleur. Il n'y a-t-il pas de retour? L'un quand il vient comme un voleur et l'autre quand il vient en gloire. Et à propos de l'enlèvement secret, on entend souvent parler de ça. Matthieu 24:36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seulement. Matthieu 24:43, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Ce texte parle-t-il de la manière dont il va revenir ou parle-t-il de l'heure de son retour? Quand la Bible parle d'un voleur, elle parle de l'heure à laquelle il vient et non de la manière dont il vient. Cela n'est-il pas clair? Maintenant, regardez. Est-ce qu'un voleur place ses mains autour de sa bouche et sonne une alerte comme celle-ci? Voici, tenez-vous prêt, je viens voler dans votre maison. Il vient quand on l'attend le moins, vite et rapidement. Quand Jésus viendra comme un voleur, le monde ne l'attendra pas non plus. Il vient vite de manière inattendue, puis tout œil le verra. La Bible n'enseigne pas qu'il vient secrètement comme un voleur. Pas
du tout. Oya. Remarquez ce qui est écrit au verset 14. 44. Matthieu 24, 44. C'est pourquoi Nuko. Vous aussi Namne. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. 2 Pierre 3, 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. La seconde venue est une surprise pour ceux qui ne seront pas préparés. C'est important ce que je suis en train de dire. La venue de Christ va nous surprendre parce que nous ne serons pas préparés. Ceux qui se préparent savent qu'il va venir. Ceux qui ne se préparent pas seront surpris. Amen. Amen. Mais que se passe-t-il pour eux? Que dit de l'expression l'un sera pris et l'autre laissé? Soyez patients, c'est ma dernière prédication. Alors pardonnez-moi si je suis un peu longue. Alors Luc 17, 36 dit: de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Le texte dit-il que celui qui est laissé vivant? C'est ce que les hommes ont rajouté, mais ce n'est pas ce que dit le texte. Jésus continue et dit ceci: ceux qui arrivent à du temps de Noé arrivera de même. Et comment était-ce au temps de Noé? Y avait-il deux catégories au temps de Noé? L'une était de la catégorie prise dans les jours de Noé. L'autre était la catégorie laissée dans les jours de Noé. Yego. Que s'est-il passé pour la partie laissée au jour de Noé? Ils ont été détruits par le déluge. Jésus continue. Luc 17, 28. Ceux qui arrivent à du temps de Lot arrivera de même. Que s'est-il passé au temps de Lot? Y avait-il une catégorie sortie hors de la ville? Yego. Ceux qui arrivent à du temps de Noé arrivera pareillement. Deux catégories, une sauvée, une vivante qui s'élève à la rencontre du Christ. Une perdue. Une mort détruite lors de la seconde venue du Christ. Du temps de Lot arrivera pareillement. Une catégorie sortie de la ville sauvée. Une catégorie laissée et détruite. L'Apocalypse est clair concernant cette division du monde au second retour du Christ. Apocalypse 6, 15, 17. Les rois de la terre, les grands, je lis, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau.
bami bo mwisi n'abatware bakomeye n'abatware b'ingabo n'abatunzi n'abubasha n'imbata zose n'abamudendezo bose bihisha mu mavumo no mu bitare ku misozi babwira imisozi n'ibitare bati nimutugweho muduhisha amaso yiciye kuri iriya ntebe n'umujinya w'umwana w'intama. Quelle tragédie! Il est venu pour les sauver. Mais il court et se cache. Leurs cœurs sont saisis de frayeur. Ils ne l'ont pas couronné roi de gloire dans leur cœur. Alors, ils ne veulent pas le couronner comme roi de gloire. Le roi de gloire dans l'univers. Ils courent, ils sont effrayés. Ils supplient aux rochers, aux montagnes de tomber sur eux. Ainsi, lorsque la Bible décrit le second retour de Christ, l'une des plus grandes tromperies est que quelques-uns seront laissés sur cette terre et auront une deuxième chance durant les épreuves. Le diable a vendu ce mensonge afin de tromper les gens en leur faisant repousser leur salut. Satan yashyizeho kino kinyoma kugira ngo atume abantu bamwe banga agakiza. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? C'est-à-dire qui peut tenir debout? Kuko umunsi w'umujinya w'Imana ugeze mbese n'indubasha guhagarara adatsinzwe. Il pense, baratekereza bati, je peux repousser mon salut. Nshobora kuzihana ejo. Et quand la tribulation là, je deviendrai sérieux. Frères et sœurs, il n'y a pas de seconde chance. Le moment de prendre au sérieux votre salut, c'est maintenant. Mesdames et messieurs, d'après le livre de l'Apocalypse et d'après l'enseignement de Jésus, le retour de Christ sera un événement joyeux. Ne le repoussez pas à une date future. Ne le reportez pas pour un moment plus opportun. Ne ratez pas le moment le plus joyeux des siècles. À la venue de Jésus, ce sera assurément un événement heureux. Ce sera l'événement le plus heureux de tous les temps. Jésus dit dans Jean 14:2 et 3, un de mes versets préférés. Écoutez bien. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi. Jésus vient remplissant les nuées des cieux. Il regarde là-haut et il voit Jésus arriver. Les éclairs éclatent de l'est vers l'ouest. Et dans le chien, les morts sont ressuscités. Et maman tient un nouveau bébé dans ses bras. Y a-t-il quoi que ce soit qui vous empêcherait d'être prêt pour le retour de Christ? Pensez-y. Un mari? Une ou une femme, un enfant, un voisin, mais un jour, Christ viendra, il traversera les cieux
Et nous ramènera à la maison avec lui. Il n'y a que les sauvés et les perdus en ce jour-là. Il n'y a que ceux qui regardent en haut et disent, voici notre Dieu. Et ceux qui crient aux rochers et aux montagnes de tomber sur eux. Il n'y a que Jésus qui peut nous apporter une réponse satisfaisante. Ce n'est pas un mythe ou un conte de fées. Ce n'est pas de l'illusion. C'est la réalité. Un jour, Jésus-Christ viendra. Et il veut vous sauver. Voulez-vous dire avec moi ce matin, Jésus, vous allez le dire en même temps que moi? Ok? C'est bien. Jésus, sauve-moi. Jésus, je crois que tu viens. Sur les nuées des cieux. Et je veux être prêt. Prête. Si Dieu a parlé à vos cœurs, pour ceux qui n'ont pas encore donné leur cœur, ou même ceux qui veulent renouveler, venez devant. Il vous veut avec lui pour l'éternité. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre patience. Mais c'était ma dernière prédication. Ne m'en voulez pas. Au moins vous penserez à moi. Quand je ne serai plus là. Ok. Ok. Que ceux qui veulent venir viennent. Ou sinon, levez-vous. Amen. C'est toute l'Église. Moi. Mana yacu. Turakunezerewe. Vuba hangaha ugiye gutunguka ku bico. Amaso yose azakureba. Nyamara tubonye ko nta ruhani rwo hagati. Abazaba barakira agakiza kawe. Baha agaciro igitambo cya Yesu. Bazatumbagira n'ibyishimo bagusanganire. Abazaba barakwanze banze gufata umwanzuro. Bazicwa n'ubwiza bwawe nabo kurimbuka. Ude kuba mu itsinda rya mbere. Njya bahisemo Yesu bakamwakira mitima yabo. Isabati ko bazitubera uyu munezero. Uduhire data. Mwuka wera tuyobore mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ubutabazi butaha n'ubw'abajiya. Abajiya bagende bitegure nibo bazadukorera ubutabazi. Imana ibahe umugisha.
Data wera mana yacu dukundira mu ijuru turagushimye cyane habwe icyubahiro. Turagushimira uburyo wakomejeje guhagarikira gahunda zabere hangaha. Turagushimira uburyo tugitangira nyagasani twakomeje kukwereka gahunda y'ibyumwe bibiri ukaba waraturinze. Reka dushime yuko ukiri kumwe natwe habwe icyubahiro. Reka dushime ijambo ryawe yuko ritatambutse ngo ribe risize ubusa. Dushimye yuko nyagasani ryagize umusaruro. Reka rero imitima yabeshe yakozweho ukomeze ubimana iragira, ukomeze ubimana irinda, kandi nyagasani ukomeze uha umugisha imuvugabutumwa wahagurukije, kugira ngo twese hamwe nawe uduhe kwitegura kandi uduhe kuba maso ubwo ugiye kuza tuzagusanganira dufite ibyishimo. Tubyambaje mu izina rya Yesu. Sengera hano duhurire kuri rashuri murakoze kandi mugire vuba kujya ku gahunda zose zihute.